Je m'appelle Vincent Chauvet, je suis le maire d'Autun en France et membre du Comité européen des régions, l'institution de l'Union européenne qui représente les villes et régions. Je m'exprime aujourd'hui au nom de la circonscription des gouvernements locaux et autorités municipales. Grâce au volontarisme, au leadership et à l'ambition de la présidence, la COP28 a d'ores et déjà franchi une étape significative pour faire progresser les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre d'une action climatique multiniveau, associant concrètement les échelons locaux et régionaux. En particulier, l'initiative CHAMP, Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships, soutenue à ce jour par 66 pays, ainsi que la réunion ministérielle sur l'urbanisation et le changement climatique, sont des marqueurs forts, très forts, de la volonté d'inclure réellement l'échelon local et régional. Cette volonté doit maintenant être inscrite explicitement dans le texte de la décision finale de la COP28, ainsi que dans le bilan global. Il faut une référence directe à la nécessité pour les États d'associer activement et d'inclure effectivement les échelons locaux et régionaux dans l'élaboration des prochaines CDN attendues pour 2025. Nous appelons donc l'ensemble des États, en particulier les 66 signataires de l'initiative CHAMP, à inscrire cette exigence de manière claire et explicite dans les textes et à soutenir ainsi l'ambition de la présidence pour une action climatique multiniveau. Je vous remercie.